Gabon, en Côte d'Ivoire. Quand un homme de Dieu te donne l'onction, quand il est vivant, oui, tu peux opérer dans son onction. Voilà. Quand un homme de Dieu te donne son manteau, quand il est vivant, tu n'opéreras pas dans son manteau. Je regarde encore la vidéo ce matin. Il nous donnait un témoignage. Il dit, il était dans la voiture avec des frères et sœurs. Et en avançant, une voiture venait tout droit en leur direction. La voiture était en train de les cogner. Et lui, il a crié, Jésus! C'est comme... du gel. Les voitures se sont traversées. La voiture n'est pas passée à côté. La voiture, ils sont entrés dedans. La voiture est sortie intacte. Elles sont sorties intactes. Où est le Dieu de Baruch Sikasongo? Les gens disent non, ce sont des branamistes. Mes amis, certains ont pris du recul par rapport à moi parce que j'avais honoré et invité. Mais église, écoutez-moi. Le Jésus qui revient ne viendra pas prendre les logos de nos papiers en tête. Pourquoi je l'avais invité? C'est un... Et le 1er juin 2024... est parti et nous serons debout pour saluer Pasteur Baruch Sikasongo et rentrer auprès du Seigneur, que nous acclamons pour le travail qu'il a fait, l'œuvre qu'il a produit et l'impact qu'il a laissé. Venez vous asseoir. Après la mort de ces généraux que j'ai cités, si vous êtes un étudiant des réveils, vous allez voir que plusieurs de leurs espèces sont nées, un nouveau mouvement sont nés. Et j'aimerais vous dire, un des rares, peut-être un des derniers qui avait un don de guérison authentique, un don de miracle authentique, on était à la maison avec Papa Baruti. Je regarde encore la vidéo ce matin. Je donne un témoignage. Il était dans la voiture avec des frères et sœurs. Et en avançant, une voiture venait tout droit en leur direction. Et pendant qu'ils voulaient se ressaisir, la voiture était en train de les cogner. Et lui, il a crié, Jésus! La voiture qui avançait et leur voiture, c'est comme... du gel. Les voitures se sont traversées. Et disait, ils voyaient les gens de l'autre voiture là, comment ils passaient, eux aussi ils passaient. La voiture n'est pas passée à côté. La voiture, ils sont entrés dedans. La voiture est sortie intacte, sont sortis intacts. Où est le Dieu de Baruch Sikasongo? J'aimerais dire à l'église, comme ce général de Dieu est à terre, plusieurs de la même espèce que lui vont marcher dans le don de guérison. Oui! On verra Rapha dans l'église et plusieurs viendront au cabinet médical du docteur Jésus. Nous avons eu le privilège de recevoir ce père ici. Nous avons eu le, je ne dirai pas beaucoup de choses. Je me rappelle de quand il était venu ici. C'était au mois de juin aussi, l'année 2021. Quand je l'ai invité, beaucoup de gens ne voulaient pas que je l'invite. Les gens disent non, ce sont des branamistes. Les gens disent non, on va te fermer des portes. Et même beaucoup de mes amis, certains ont pris du recul par rapport à moi, parce que j'avais honoré et invité. Mais église, écoutez-moi. Le Jésus qui revient ne viendra pas prendre les logos de nos papiers en tête. Le Jésus qui revient ne viendra pas prendre les papiers en tête de nos églises. Le Jésus qui revient ne viendra pas prendre les dénominations dans lesquelles nous faisons partie. Le Jésus qui revient ne prendra pas en fonction de qui était notre pasteur ou qui était notre évêque. Il viendra prendre son église. Et l'église de Jésus n'est pas votre église. Beaucoup de gens ont un orgueil démesuré. Tout ce qui a de bien et ce qui a chez nous. L'église de Jésus est plus grande que votre communauté. L'église de Jésus, c'est plus que les églises protestantes, plus que les églises catholiques, c'est plus que les églises orthodoxes. Les gens qui seront enlevés sont dans toutes les dénominations. Personne n'a la photocopie du livre de vie dire que tous les catholiques iront en enfer. Non! Les apôtres en leur temps disaient au Seigneur, les miracles sont faits par nous parce que nous sommes mandatés par toi. On a vu quelqu'un qui n'est pas de notre ecclésia, mais qui chasse aussi les démons en ton nom. On l'a interdit de faire ça. Jésus a dit, vous voyez votre problème? Vous avez la mentalité des groupes, la mentalité des réseaux, la mentalité des dénominations. Celui qui n'est pas contre nous, il est pour nous. Il y a des gens qui ne sont pas de la KDC. Il y a des gens qui ne sont pas des églises des réveils au Congo, mais qui font partie de ceux qui travaillent pour le Seigneur Jésus-Christ. Respectez tous les hommes et ne jugez personne. Parce que vous ne savez pas qui sera à l'enlèvement de l'église. Dis à ton voisin, ne jugez pas les hommes. Il arrive un temps, juste juge jugera selon les critères inhérents à sa fonction de juste juge. Je respecte l'abbé Bleskanda. Je respecte beaucoup de prêtres catholiques que je connais. Dieu ne nous a pas appelés à juger les gens. Il nous a appelés à aimer les gens. Autant que je respecte les branamistes. Et pasteur Baruti est un homme dont j'avais le plus
la plus haute estime. Même quand il voulait venir prêcher ici, il nous avait dit ça. Le frère Patrice Moubia, il nous avait dit ça. Les généraux l'ont appelé. Les ministres l'ont appelé. Qu'ils connaissaient. Ils ont dit, on a vu l'affiche avec le prophète là. Ils ont dit, c'est un magicien, un occultiste. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Papa Barouti a dit, cet enfant même, je l'aime aussi. Et Dieu m'a dit d'aller à la porte des cieux pour aller bénir cette église. Porte des cieux, le 6 juin 2021, je disais ici sur la chair mot pour mot. C'était un dimanche. Je prêchais sur les dimensions de l'onction. Quand Papa Barouti partira, nous à la porte des cieux, nous serons heureux. Parce que nous avons pris ce que Dieu avait mis dans cet homme. Réjouis-toi, porte des cieux. Parce que tu honores les manteaux. Parce que tu honores les onctions. Réjouis-toi, porte des cieux. Parce que tu honores les précurseurs. À la porte des cieux, nous n'acclamons pas les gens pendant leur mort. Aimons-nous vivants. Pendant notre vivant, amen. Que nous à la porte des cieux nous célébrons les gens. Pourquoi je l'avais invité? Répète mes propos. Parce que je me disais, il va bientôt partir. Et son don partira chez qui? Sa grâce partira chez qui? Je ne sais pas combien de personnes il a donné ça. Quand on était à genoux ici, quand on était au bureau, quand on était chez lui, je représentais toute l'église. Je crois devant Dieu que ce que cet homme a fait, puisque c'est un point de contact entre Dieu et les hommes, cette grâce est retombée ici. Je peux vous dire une vérité. Quand un homme de Dieu te donne l'onction, quand il est vivant, tu peux opérer dans son onction. Quand un homme de Dieu te donne son manteau, quand il est vivant, tu n'opéreras pas dans son manteau. Je répète, un homme de Dieu est vivant. Dans l'onction, on est travaillé avec son onction. Mais quand un homme de Dieu te donne son manteau, tu ne paieras pas dans son manteau. Quand Moutoumo a prié pour moi, ce qu'il m'a donné n'agira pas aujourd'hui. Quand il partira, ce qu'il a mis, le manteau d'Élie ne se manifeste qu'au départ d'Élie. Rappelez-vous, Élie avait jeté à Élisée son manteau, mais jamais Élisée a opéré de l'onction d'Élie. Parce qu'Élie était encore vivant. Avance, prophète. Un manteau n'est activé qu'à la mort de celui qui l'a donné. Et les gens l'ont dit, ne va pas chez lui. C'est pas un vrai prophète. Les ministres de ce pays, les généraux de ce pays. Qu'est-ce qu'on a fait à ce pays pour mériter un tel traitement? Pendant qu'Abraza, les généraux vous cherchent, Abraza, les ministres vous cherchent, Gabon en Côte d'Ivoire, nouveau premier ministre ivoirien, j'ai prophétisé pour lui dans sa maison. On a parlé, prophétisé sur lui. Pasteur Daniel était là. Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on a fait aux Congolais pour que les Congolais ne croient pas aux prophètes congolais? Pardon? Oui, oui. Je ne le dis même pas ici. Le président... Viens dire ça. Il est déjà mort. On peut le dire. Même l'ancien chef de l'État de la Côte d'Ivoire qui est mort, Henri Konabédier, il a appelé, il vous a cherché. Il était même prêt à envoyer un avion pour vous chercher. Ils sont passés par un pasteur connu dont j'étais le nom. Exactement. Ils étaient prêts à envoyer même l'avion pour me chercher parce qu'ils me cherchaient. Ouais. Mais tu es dans un pays où ceux qui sont au sommet vous voient comme des aventuriers. Cool. Que Dieu pardonne ce pays. Que Dieu ait pitié de ce pays. Que des gens ne vous voient comme des divertisseurs. Il y a des gens qui vous voient comme des libérateurs et des sauveurs. Vous ne l'avez pas reconnu de son vivant. Ne le postez pas. Ne postez pas Pasteur Barouti si vous ne l'avez pas reconnu comme serviteur de Dieu. Une génération des hypocrites. Mosantoune Moutakoufa. Le saint, c'est celui qui est mort. S'il est mort, là, ses péchés sont mais pardonnés. Bon mais pendant qu'il est encore vivant. Une génération des hypocrites. Aucun homme de Dieu ne tombera par ma main. Jamais. Quelqu'un que Dieu a oint, c'est un oint de Dieu. Oh Congo, toi qui tues tes prophètes, regardez la plupart des prophètes de notre génération, ils déménagent de ce pays. C'est dur de dire ça. Ils sont ici en étiquette, mais leurs femmes et leurs enfants sont ailleurs. Viens, ils travaillent, ils vous embrouillent, mais leur fille, c'est dehors.